peut t'en donner idée. D'attirance que je subis, d'événements qui m'arrivent et n'arrivent qu'à moi. Par de la quantité de mouvements que je me vois faire, d'émotions que je suis seule à éprouver, je m'efforce, par rapport aux autres hommes, de savoir en quoi consiste, sinon à quoi tient ma différenciation. Autour des objets avec l'air et le crépuscule, il surprenait dans l'ombre la transparence des fonds, les palpitations colorées dont il faisait le cendre invisible de sa symphonie silencieuse. Il ne saisissait plus dans le monde que les échanges mystérieux qui font pénétrer les uns dans les autres les formes et les tons par un progrès secret et continu dont aucun heurt, aucun sursaut ne dénonce ou n'interrompt la marche. Sans doute ce qui allait me rendre très attentif à un message d'ordre tout différent.